Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau championnat. Vous l'avez compris, donc sur le jeu Toka Touring Car, sorti en 97 sur PlayStation 1, qui reprend la saison 97 d'ailleurs. Un jeu qui marquera le début d'une longue série qui ira jusqu'au grid. Voilà. On va juste vérifier le son de jeu avant de commencer. Au niveau des contrôles, on va laisser comme ça. Les graphiques, je pense que c'est bon. Le son, je pense que ça va être bon aussi. On va regarder en français. On va faire un championnat. Alors, on va faire un nouveau jeu. On va mettre un championnat court, par contre, pas un championnat trop long. Histoire que vous puissiez voir quand même la suite. Alors, on va prendre un nombre de pilotes. Peu importe, hein, on va prendre. Ourself quoi. Faire OK. Et on va donc choisir notre équipe, alors qu'on peut changer la boîte manuelle en automatique. Donc on aura comme choix de voiture de la 197, vous l'avez compris. C'est-à-dire Honda, Audi, on aura la Vauxhall Vectra, la Volvo S40, on aura la Ford Mondeo, Nissan Primera, on aura la Peugeot 406, la Renault Laguna. Et c'est tout. Alors, le jeu considère le fait que il y a des voitures qui ont plus rapide que d'autres. Hein, donc, vous croyez prendre une voiture qui est au niveau. En fait, non. Ça suit à peu près les niveaux de la saison en cours. Pour faire assez simple, les Renault, c'est les plus rapides. Ensuite, vous allez avoir les Honda, Audi et Volvo. Et en dernière, au milieu vous allez avoir Vauxhall, en dernière vous allez avoir Peugeot et Ford. Alors nous on va pas prendre Ford, parce que Ford on l'a déjà pris sur le CC95. Je vais pas prendre Nissan non plus, parce que c'est pas la version Nissan que je préfère vraiment la version Prima GT de 90 ou 99. Autant j'aimais bien beaucoup la Vauxhall Vectra, mais je pense cette fois-ci, écoutez, on va prendre... J'avais pris l'Honda Accord dans Toka 2, on va prendre la Volvo. Allez, c'est parti, on va prendre le gros bourrin, la S40. Et donc, on va se retrouver pour la première course de la saison. Donc, normalement, deux manches. Sachant que c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'il faut marquer un nombre de points minimum pour pouvoir passer à la seconde manche. Et c'est ce qui est le plus horrible, en fait, parce que j'aurais aimé un jeu où, en fait, on a un classement par points. Et voilà, si on termine avec deux points à la fin de la saison, on fait mieux. Là, non, c'est vraiment par élimination. Un peu comme Colin McRae d'ailleurs. Nous voilà donc au début de la saison 1997 du championnat de voitures de tourisme. La nouvelle S40 semble avoir le vent en poupe cette saison, mais qu'en est-il de ses pilotes? Nous sommes à Donington Park où nous nous rendrons deux fois cette saison. Aujourd'hui, les écuries courront sur le plus grand circuit, celui du Grand Prix. Les qualifications pour la première course vont commencer. Allons donc voir qui va remporter la pole position tant convoitée. Donc ça commence direct. Vous remarquez qu'il n'y a pas de nom sur la voiture, on n'est pas comme en Toka 2, on est comme un jeu qui est sorti un petit peu avant. Vous allez voir, ça va vraiment, on retombe dans des jeux au graphisme plus que moyen. Donc ce jeu, à la base, a une résolution qui est plus faible que Toka 2. Alors peut-être que pour vous, ça paraîtra pas forcément évident, mais le jeu Toka 2 est quand même beaucoup plus joli. Alors que là, on va essayer de faire ce tour-là, et je pars en tête à queue. Alors, à savoir que c'est un jeu ultra difficile, enfin quand je dis ultra difficile, c'est vraiment en termes de maniement, en termes de rigidité, sachant qu'en même temps, vous avez sorti Colin McRae, on retrouve un petit peu ce maniement, en fait, de cette manière, il ressemble un petit peu à Colin McRae 1, mais vraiment beaucoup plus rigide. Alors c'est vrai que ce sont des voitures qui sont très difficiles, qui tournent très peu, justement elles ont une capacité très très stable, et avec des roues très très basses, ce qui fait qu'au niveau du maniement, c'est pas trop ça. Il y en avait le même défaut d'ailleurs dans GTR2. Donc là je vais faire mon tour de qualification pour voir à quelle place je vais pouvoir partir. Lui ça démarre très vite, c'est-à-dire qu'en gros on n'a pas de menu réglage, il n'y a pas de réglage dans le jeu. On va faire une course de 6 tours. Et le but c'est de terminer le premier point barre, hein. Il n'y a pas mieux à espérer. Toujours cette petite musique qui nous accompagne. Vous allez en bouffer, hein. De la musique de Toka, moi je vous le dis. Donc on va voir comment ça se passe. Je me suis un petit peu loupé à la sortie, voilà. Pour le temps que je peux faire. Je n'ai pas pu choisir mon niveau de jeu aussi.
Ce qui fait que je ne sais pas du tout dans quel niveau seront les IA. Donc j'imagine que le jeu va être par défaut sur moyen, mais j'ai pas vraiment de réglages. Voilà. On les a les réglages en course simple, mais pas en course en championnat, c'est un petit peu dommage. Bon, on va faire avec. Je laisse remarquer les petits avions sur la droite, qui sont vraiment là d'ailleurs en vrai à Donington, sur le circuit de Donington, dans la version, dans sa version longue, puisqu'on prend la petite chicane après la ligne droite, là on fait le tour, et il existe la version courte aussi de ce tracé. Alors les rétroviseurs ne marchent pas, j'ai toujours ces vues un petit peu éloignées, je rappelle un petit peu le jeu, évidemment j'ai fait un test il y a très très longtemps, je pense que c'était en 2012 ou 2013, c'était vraiment il y a super longtemps, un jeu que j'avais particulièrement apprécié, de toute façon quand j'étais gamin. Voilà, une vue intérieure, avec quand même le volant, même les balais d'essuie-glace hein, s'il pleut, vous allez voir ils sont présents. Là on plante les freins, la chicane, on ressort, j'ai gagné 6 secondes sur mon premier tour. Alors, on va finir la qualification. Alors ça c'est un virage en général où l'IA est super forte. J'ai jamais compris comment bien prendre ce virage, mais bon. Ça devrait le faire. On peut rentrer au stand aussi. Alors je pense qu'on n'aura pas besoin. En tout cas, vu le nombre de tours qu'il y a, je pense qu'il n'y a pas d'arrêt obligatoire. À voir, hein. On va quand même vérifier. Donc là voilà, j'ai fait mon tour. Je vais annuler. Je vais faire fin de session de qualification. Bon résultat pour le nouveau pilote de Volvo. Et c'est tout. Alors, cinquième temps du coup. Donc avec menu, Biela, plateau. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Franchement, les Renault 97, imbattables. D'ailleurs, ils ont gagné le championnat, hein, pour vous spoiler. Les Audi qui n'étaient plus avec leur version 4x4 en 96, sont un petit peu en retrait, mais ils sont quand même juste derrière quand même. Et vous aviez, bah, je vous l'ai dit, les autres. Hein, là. Et derrière, on a les Ford et les Peugeot. Alors, il y a une Peugeot qui s'est bien catarcalée, c'est Tim Harvey en 9ème position. Alors les qualifications sont assez bateaux parce qu'on regardait les temps de qualif, c'est énorme. Hein. Franchement, faire 2 minutes 5 sur ce circuit, à présent sur la grille de départ, pour moi le faire exprès. On s'apprête à entamer la manche. Rejoignons la piste. Et départ, ouais, non ça va, j'ai cru que c'était un départ assez pourri. Alors l'IA est assez, c'est pas évident à faire bouger, hein. C'est vraiment des murs qu'on a autour. Donc pour dépasser, c'est pas trop ça. Évidemment la gestion des dégâts, même si ce sont que les dégâts visuels, en fait il n'y aura jamais d'incidence sur la voiture. C'est un peu ce que je pourrais reprocher au jeu par rapport à Toka 2 par exemple. Mais là, il n'y a même pas Toka 2, je crois que Toka 2 c'est aussi que des dégâts visuels. Et déjà on a la Renault derrière qui nous attaque. On a fait un bon départ, on est 3ème. Voilà, 6 tours à parcourir. Ouais, là j'aurais pu passer à l'intérieur. Regardez comme ils se battent entre eux. On va essayer de s'arrêter. Non, ça passera pas. Ça passera pas. Oh, il a freiné. Il a freiné. Du coup, on va prendre la tête. Bon, pour l'instant, ça a l'air. Bon, mais non, c'est facile en fait. Ok. Ouais, devant. Ouais, devant, on est devant. Oh, on est largement devant, hein. On est devant les Renault. Alors vous avez vu en qualification par exemple, on était vachement loin. Et là, pas du tout. Franchement, oh putain. Ah voilà, monsieur Forêt, je me disais bien, j'ai oublié un truc. Et il est quand même assez loin, hein. On est derrière, on va repartir. Ouais, c'est quand même bizarre, je trouve le niveau de jeu pas super. Alors effectivement, je connais bien Donington, parce que c'est genre le circuit qu'on avait dans la démo. Et j'attendais un truc beaucoup plus dur. Ça me paraît facile quand même. Ça me paraît facile. Ça me paraît étrangement facile quand même. On va être en mode moyen. Écoutez, on va faire quitter le championnat. On va faire quitter le championnat. Je vais être sûr de la difficulté parce que si on part sur un championnat qui est trop facile, ce sera pas intéressant. On va finir premier tout le temps. Honnêtement, hein. Il va y avoir de différence. Donc on va. Ouais, on va voir les niveaux, le réglage du jeu. On va faire. Joueur 1, course 3 tours, ouais, continue. Elle était en moyen. Elle était en moyen.
Et ben, le jeu peut pas être aussi facile que ça, sans déconner. J'ai souvenir d'avoir galéré, hein, sincèrement, hein, j'ai souvenir d'avoir eu, mais vraiment, mais pfff, je pouvais plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en mode dur. Ok. Je vais voir si ça change quelque chose, on va revenir en arrière, parce que le problème c'est que voilà, je veille le mode dur là. On va faire championnat. Le championnat entier, je sais pas. Partir. Je vais repartir avec la Volvo et on va voir ce que ça change. Si ça change quelque chose. On va comme ça, hein. On va voir ce que ça donne. Alors on va essayer. Bienvenue au championnat TOCA 19 avec ce nouveau pilote totalement ainsi Denis. La première séance de qualification va commencer. On va faire fin de séance de qualification. Donc on va passer au dernier. La logique. Les voitures sont prêtes à commencer la première course. Allons donc les rejoindre sur la grille. On va voir si ça change quelque chose. Ou alors la S40 est peut-être ultra cheatée, hein, on peut la découvrir aujourd'hui. Ouais, donc je prends quand même des places de manière ultra simpliste. C'est quand même incroyable. Je vais peut-être être premier. Alors je vais quand même foirer. Regardez comment ils envoient valser quand même, hein, dans le premier virage. Alors si on remonte ou pas. Regardez devant comme ça. Oh, j'ai une conduite dangereuse, premier avertissement. Ah oui, à savoir qu'il y a des avertissements dans le jeu, c'est-à-dire que si je touche deux ou trois fois, même plus que trois avertissements, je crois, je prends une pénalité. Je perds des points. Il faut quand même faire gaffe. Regardez comment je le roule dessus quoi. J'ai déjà remis 3ème. Hein. On va faire. J'aime déjà, hein. Il est déjà au ralenti. Ou alors faut peut-être changer la voiture. Je suis premier à la fin du premier tour, quoi. C'est vraiment pas possible, quoi. On va changer de voiture. Et on va voir si ça change quelque chose. En tout cas, ça sera une vidéo unique, sincèrement. Je pense que je vais garder je vais garder la vidéo entière. Si vraiment, avec une autre voiture, c'est aussi facile. On va laisser tomber, hein, simplement. J'ai pas d'intérêt à faire un. 406. La 406, c'est une vidéo de bas de tableau comme la Ford, donc logiquement on devrait plus galérer. Je vais pas faire la qualification, on va voir ce qui se passe. Bonjour et bienvenue au début de la nouvelle saison du championnat de voiture. Jusqu'à la dernière minute, Peugeot a gardé secret le nom de sa nouvelle recrue. De Linton Park est notre... Ok, super. Donc, fin de saison de qualification. Mauvaise séance pour le nouveau pilote de Peugeot qui devrait... Et on est avant-dernier. ...a commencé la première course. Allons donc les rejoindre sur la grille. Allez, c'est parti. On va, du coup, voir ce qu'on fait en résultat, en fait, dans le dernier tour. Concrètement. Ok, donc le niveau départ déjà ça semble un peu plus compliqué. Regardez devant comme ça se rentre dedans. Ok, là on est 10ème.
j'ai fait prendre un avertissement vu la vitesse que j'avais. Ok, on est déjà 6ème. En plus, je me fais ralentir parce que du coup, j'ai réussi à le dépasser. On va voir hein, à la fin du tour combien on se situe. Je suis passé à l'extérieur hein, complètement. Je passe à l'intérieur. Je vais rattraper la Peugeot de la Renault. On est au même niveau. Bon, on est au même niveau que tout à l'heure. Là, il va ralentir en premier, ce qui est logique. Et on est déjà devant. Ok, bon, bah, je pense qu'on peut laisser tomber. On peut laisser tomber le championnat. Je suis un peu déçu. Je vous avoue, franchement, je suis déçu parce que. Regardez, non, c'est pas possible. Voilà, je suis premier. Je vous dis, excusez-moi que je fasse, je suis premier. Il y a. J'ai même pas forcé le talent, j'ai envie de dire, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, bah écoutez, ce sera une vidéo un petit peu bonus, j'ai envie de dire. Parce que là, bah ça marchera pas, quoi. Ça sera pas intéressant. Donc, bah on va laisser comme ça. On va se quitter là-dessus. Token, c'est non. Donc on partira sur un autre jeu. Je vous souhaite quand même une bonne soirée. Bonne journée à tous. Ciao tout le monde!